Aujourd'hui, avec Serge Viera, nous allons faire un filet de dorade grillé à l'huile d'amande avec un chutney de fruits et légumes. Pour combien de personnes ? Pour 2 personnes. Là, on va commencer par faire le chutney. Donc, on va prendre le beurre. Une noix de beurre. On va mettre dans la cocotte. On va faire suer nos oignons. Alors là, on a la valeur hein, d'un demi-oignon haché finement. Sans coloration. On va bien faire suer l'oignon. Voilà, ensuite, on va ajouter le miel. Nous, on utilise beaucoup de miel de fleurs, des bois, tout ça. Donc c'est vrai que, après, le miel, c'est suivant le goût. Hein. 2 cuillères à café. Voilà. Dès que ça boue, on peut mettre les autres. Dès que ça boue, oui. Voilà, on va mettre les pommes. Alors, on a une pomme coupée en petits dés, hein, une Granny Smith. Oui. Donc là, on peut laisser chauffer. Hein. Ensuite, on va mettre l'ananas. Alors, un petit morceau d'ananas, hein, la même quantité que la pomme. Donc, il ne faut pas faire colorer. Hein, non, sans coloration. Là, maintenant, on va saler, poivrer. C'est bon, ça va aller. On va rajouter les poivrons. Alors, un demi-poivron rouge coupé en petits dés. Donc, il faut que ce soit bien cuit. Hein. C'est bien cuit, c'est vraiment, ça ressemblera vraiment à combien de temps il faut cuire une comme marmelade. Ça une dizaine de minutes. Oui. Voilà, là, ça commence à être cuit. Hein. On voit c'est presque confit. Hein. On va mettre le vinaigre, oui. Du vinaigre, 2 RS. Quelle quantité ? Un demi-décilitre. Et là, maintenant, on va bien faire cuire. Il faut que les légumes soient à sec. Voilà. Impeccable. Le chutney est prêt et maintenant ? On va faire l'émulsion à l'huile d'amande. Donc, c'est la sauce de la dorade. Ça sera la sauce de la dorade, oui. Mmh. Donc, on prend du bouillon de volaille. 1 décilitre de bouillon de volaille. On a fait réduire le bouillon de moitié. Voilà. Alors, donc, oui. 1 décilitre de lait. Du lait entier ? Du lait entier, oui. On ajoute de la crème liquide. Là, il y a combien ? 1 demi-décilitre ? Et 1 demi-décilitre, oui. On va rajouter l'huile d'amande. 2 cuillères à soupe, presque, voilà, là, presque, il y a. Oui. Hein. Et on va saler, poivrer. Le poivre. Là, on peut éteindre. On peut éteindre. Nous avons 2 filets de dorade, c'est-à-dire les filets d'une dorade. Une dorade qui fait à peu près dans les 700 grammes. Oui. Partie peau, mettre... mais un petit peu d'huile d'amande. Je vais saler, poivrer. Côté peau. Voilà. Alors, on le met côté peau en premier. Côté peau en premier. Donc là, ça cuit vite, un morceau de poisson comme ça. Ça cuit vite, oui. On va le... Serge. On va le... Oh, il va falloir 5-6 minutes. Il faut penser à assaisonner le dessus des filets. Pour avoir un tout petit peu. On retourne maintenant. La peau n'est pas brûlée, bien dorée, dans un blanc. On va retirer aussitôt. La chaleur finira la cuisson. On a réparti le chutney d'une façon très délicate sur les assiettes. On va déposer la dorade sur le petit tas. On émulsionne un petit peu, c'est un genre de lait d'amande quand même. C'est comme un lait, c'est comme un lait d'amande, oui. Voilà. Alors, on met un petit peu de cette mousse de lait. Recette chère qui serait chère à notre ami Ferrand Adria qui adore le lait d'amande. Du lait d'amande avec le lait, tu sais, puis les gousses d'ail. Les gousses d'ail. À la façon espagnole. Tout à fait. Voilà. Et pour finir, oui. On va parsemer quelques amandes torréfiées pour rappeler un peu le goût de l'amande. Comme la truite aux amandes, c'est pas un bon sens. Hein. Exactement. Quel joli plat. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.